La championne olympique algérienne Iman Khelif n'a pas encore digéré la campagne de haine dont elle a été la cible pendant les Jeux olympiques de Paris. Dans un entretien avec la chaîne El Bilad TV, elle n'a pas manqué d'évoquer de nouveau cet épisode douloureux en citant notamment l'ex-président US Donald Trump et le milliardaire Elon Musk. En effet, dans cette interview où elle apparaît très posée, très paisible mais aussi très belle, Iman Khelif a fait savoir sa douleur et même sa peur devant la campagne de dénigrement qu'elle a subie durant les JO de Paris, tout en rappelant qu'elle a réussi à surmonter cela pour finir en tête des moins de 66 kilos avec une médaille d'or saluée par tous les Algériens. La réponse d'Iman Khelif à Trump et Musk. De grandes personnalités, des hommes politiques, des sportifs et des milliardaires comme Elon Musk et Donald Trump ont participé à cette campagne et cela m'a beaucoup affecté. J'ai eu peur et je me demandais pourquoi l'on s'acharnait comme cela contre moi. Mais j'ai pu surmonter cet épisode grâce au psychologue qui me soutenait. Iman Khelif, qui a décidé de déposer plainte contre X pour cyberharcèlement, a également évoqué la gêne que la campagne a occasionnée en Algérie pour des raisons notamment religieuses et culturelles.